Ben, comme ça, on était belles pour aller danser et essayer de trouver des cavaliers, mais il y avait des feuilles. Ils venaient nous demander, mais ça ne nous plaisait pas. Ouais, ben, on refusait, mais on disait, ah ben non, on est prince ou chef prince. Mes parents allaient dans le clos, puis les deux, c'est nous qui faisions à manger. Alors, il fallait que ça ait été bien chaud et bien tantouillé. Hein. Quand les vaches étaient tirées, on avait une écrémeuse. Alors l'écrémeuse, tu as un engin compliqué, hein. Il avait tout un tas de trucs. Alors il y avait un endroit où on mettait le lait dans le haut, dans une espèce de grand récipient, et puis ça cheillait dans un truc mécanique, hein. Je ne vais pas dire, il y avait tout un tas de... Et puis alors, en cheillant là-dedans, ça devait sans doute travailler le lait, parce que il y avait deux tuyaux qui partaient. Dans un, il y a du lait crémeux qui descendait, et puis dans l'autre, c'était la crème. Hein? Alors la crème, eh bien, on avait un pot, bien souvent c'était des pots, hein, des pots en terre, ou des fois des choses en émail aussi. Mais, et alors, comment, quand il était bien, quand maman ça veut, quand au veilleux qui te tente de mieux, eh bien, alors on avait une ribote. Alors il y avait plusieurs sortes de ribotes. Hein. Il y avait les ribotes qui faisaient comme ça, tu vois, avec. Mais nous, tu as une ribote qu'on avait une manivelle sur le côté, puis qu'on ribotait comme ça. Il y avait à l'intérieur, il y avait un machin avec trois battants qui comme une meule de meunier, quoi, comme un machin. Et alors à force de tourner le lait comme ça, eh ben il finissait par faire des petits grumeaux, quoi, des petits machins. Et alors quand c'était comme ça, bien en faisant des mouvements de revenir, de repartir, on les collait ensemble, et puis ça finissait que ça s'appelait ramasser le beurre. Ça, on ribotait, et quand maman disait, il faisait plus le même bruit, le lait ne quand il était écrémeux, riboté, il faisait plus. Mais après, il y avait toute une autre partie, c'est qu'on faisait d'un plat, de l'out, puis un cours complet, et puis on faisait plus. Et ça leur collait, et si bien que ça nous faisait des morciaux, ça faisait plein de gros morciaux. Alors quand on l'avait bien fait ça, eh bien, on s'arrangeait pour défaire la fameuse poignée qui tournait, on l'enlevait les batouets de la ribote, hein. et puis on l'avait ça tuilait à beurre. Alors on passait comme ça, puis on les tumeait, tu vois, et puis on mettait le dans le jeton. C'était un jeton, le machin où on faisait le beurre, on pas le faire, mais au lieu qu'on le travaillait, parce que il y avait aussi de quoi faire, parce que il fallait pas garder du lait, parce que en le tamisant comme ça, on prenait du lait qu'on avait, hein. Alors tu sais, alors elle le faisait, elle le machinait, et puis elle appuyait, puis elle machinait, et puis elle regottait sur le côté pour le vider, et puis après elle recommençait, et puis après, ben, quand elle voyait qu'elle l'avait quand même, alors elle participait à le saler, et alors c'était encore un autre machin, puis qu'il fallait pas qu'il y ait un endroit de saler, puis pas l'autre. Alors c'était pas que c'était dur, mais fallait pas regarder à la minute, fallait bien le faire, quoi. Hein? Et puis alors bien souvent, bien sûr, ce que je dis là, si par exemple quand le beurre qui était prévu qu'on allait porter à l'épicier, ben là encore aussi, je vais vous dire que ce que je vais vous dire, c'est pas vrai, hein, parce que
Je ne regardais quand même pas trop. Mais je sens que c'était là. On devait déjà préparer le nôtre. Le nôtre qui était prévu, on faisait ce que... Et puis après, eh bien, on reprenait tout ce qu'il y avait resté dans la ribote. Et on faisait pareil tout, mais je vente l'école, ça le pas. Je ne sais pas si on le sale l'école emporte à l'épicier. Je ne veux pas te dire si on le sale. Je vente bien qu'on ne le sale pas. Parce que il t'a une... Tout le monde apportait une tourte de beurre. Hein. Alors, ils avaient un grand récipient, un grand truc. Est-ce que c'était ventier même bien... C'était ventier même bien en bois, je ne sais pas. Mais alors, on déposait tous les tourtes de beurre que les... Alors, il alignait tout salé, ça était trop salé. Ça devait sans doute être du beurre doux qu'on nous apportait. Et puis qu'après, eh bien... Après, je sens que déjà à ce moment-là, ça devait aller à l'usine sans doute, ou s'il y a eu, ils faisaient puis qu'ils revendaient le beurre directement au monde, je ne sais pas. Je ne sais pas comment que ça se passait, je ne sais pas.